Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 82e épisode. Alors dans cette vidéo, je vais peut-être enfin réussir à vous parler des user scripts. Alors les user scripts, ce sont des petites choses qui vont nous permettre d'améliorer notre navigation quotidienne. Alors les user scripts ou les scripts utilisateurs en français, déjà peut-être que certains d'entre vous savent ce que c'est. Pour les autres, ce sont des scripts typiquement JavaScript qui vont être chargés par le navigateur. Juste à la suite du chargement d'une page web, et ça va nous permettre de modifier l'affichage, donc de modifier les styles, les polices, ou bien de modifier les éléments qui composent la page, donc d'en ajouter, d'en supprimer, et donc de personnaliser complètement notre navigation pour avoir des sites qui à la fois nous conviennent parfaitement esthétiquement, mais également nous permettre de gagner beaucoup de temps lors de nos tâches quotidiennes. Alors pour illustrer ça, je vais d'abord vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ces fameux user scripts. Je vais vous montrer ce que moi j'ai mis en place sur la page de résultats Google. Et ensuite, je vais vous montrer comment mettre un user script en place, par exemple sur Twitter, pour supprimer un élément dont on n'a pas besoin. Alors, ici sur Google, je vais faire une recherche sur le thème recherche de codes postaux. Et l'objectif, c'est de connaître la position exacte de mon site, donc de Postal Code, dans ses résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a déjà une petite modification de style qui est faite. Donc, j'ai rajouté un fond, j'ai centré la page dans l'écran, j'ai changé la police et j'ai également rajouté un numéro devant chaque résultat. Et donc, ce numéro correspond à la position du site pour le terme recherché. Ensuite, vous voyez un cercle. Ça, c'est pas directement un user script, c'est une extension qui s'appelle Web of Trust et qui permet de savoir si on peut faire confiance ou non dans un site web. Donc, le principe, il est simple. Si c'est en vert, ça veut dire qu'on peut faire confiance, et si c'est en rouge, on peut pas. Et ces données-là, elles sont fournies par les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent évaluer les sites qu'ils visitent. Donc ça, c'est une extension que je vous conseille, bien sûr. Une deuxième extension que j'utilise et qui, dans ce cas-là, est vraiment très pratique, c'est l'extension qui s'appelle Auto Patchwork et qui, à la manière de ce que j'ai mis en place sur 365 jours, charge dynamiquement les pages suivantes et les ajoute à la suite de notre page actuelle. Et donc, dans le cas des résultats de recherche sur Google, ça permet de tout mettre à la suite. De que tous les résultats soient les uns à la suite des autres, et donc ne pas avoir de pagination, ne pas avoir à cliquer à chaque fois sur page suivante, page suivante, page suivante. Là, on pourra scroller potentiellement à l'infini à travers tous les résultats de recherche et ça va se faire très 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 rapidement. Donc ça, c'est deux extensions complémentaires. Et comme vous avez pu le voir lorsque j'ai scrollé, j'ai mis en évidence les sites qui m'appartiennent, donc Postal Code, mon site perso, le site 365 jours, etc. Donc tous mes sites, je les ai mis en évidence pour connaître exactement leur position et très rapidement. Donc là, au lieu de regarder les résultats un par un et de compter et de cliquer à chaque fois sur page suivante, là, je vais directement scroller jusqu'à ce que je vois le résultat qui est mis en évidence et je regarde le nombre qui est à côté et donc je connais très rapidement ma position. Donc voilà comment les user scripts permettent de gagner du temps et d'être vraiment beaucoup plus productif lors de nos tâches quotidiennes. Ensuite, je vais retourner sur Twitter et là sur Twitter, j'ai changé la police. J'ai surligné toutes les références à mon pseudo, Nicolas Thomas, et j'ai changé également la taille de l'affichage des statistiques. Donc ça, c'est quelques petites modifications de style. Et ici, ce que je vais vouloir faire, c'est sur l'écran d'accueil, retirer ce formulaire Quad 9, parce que il me prend de la place. Il est redondant avec la fonctionnalité qui est ici. Et également, il peut porter à confusion avec le champ de recherche, et ce serait gênant ici de tweeter une recherche. Donc pour faire ça, moi j'utilise l'extension qui s'appelle Scripter. Bien sûr, si vous utilisez un autre navigateur, recherchez ce qui se fait pour les user scripts, parce qu'avec une extension, c'est vraiment très facile de mettre en place un user script. Donc Scripter, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va charger la librairie jQuery et donc on va pouvoir profiter tout simplement des sélecteurs et de la puissance de jQuery dans nos user scripts.
Donc là, on a plusieurs champs dans ce qui s'affiche. Le premier, c'est une liste déroulante qui permet de sélectionner le champ d'application de notre script. Donc soit tous les sites, donc Twitter, Google, mais également tous les sites qu'on va visiter, soit étoile.twitter.com, ce qui correspond à twitter.com et tous ses sous-domaines. Donc ça peut être utile pour les sites multilingues, par exemple fr.monsite.com, en.monsite.com, etc. Soit uniquement le site twitter.com et toutes les pages de Twitter, soit twitter.com et uniquement la page actuelle. Donc là, ça n'a pas une grande différence parce que Twitter utilise l'Ajax pour toutes ses pages, eh bien c'est considéré comme une même et unique page, la page d'accueil, que je sois sur l'accueil, profil ou suggestion. Donc là, les trois derniers choix correspondent exactement à la même chose. En revanche, si je retourne sur les résultats de Google, eh bien c'est différent parce que le dernier choix dans la liste déroulante, c'est google.fr/search, et donc ça correspond aux recherches web. En revanche, si je vais sur images, eh bien c'est différent, et donc ce que j'ai mis en place sur search ne sera pas appliqué sur google.fr/image. Donc voilà pour la petite parenthèse, on va commencer à développer. Donc ici, je vais appliquer la fonction remove sur l'élément qui contient quad 9, la text area et le bouton. Donc pour trouver quel est cet élément, je peux utiliser Firebug que je vous ai déjà présenté. Je peux utiliser l'équivalent sur Opera qui s'appelle Dragonfly, ou bien une extension que j'utilise et qui est vraiment très sympa qui s'appelle Source, et qui avec CTRL-Q permet de sélectionner, d'avoir accès à un élément, de connaître exactement son code source et de pouvoir également remonter à ses éléments parents, donc pour déterminer exactement quel élément contient tout ce qu'on vient de voir. Donc là je vois que j'ai une div qui possède la classe mainTweetBox, qui contient le titre quad9, qui contient la text area et également le bouton. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait, hein. Donc je viens de déterminer quelle div je dois supprimer. Donc ici je vais copier la classe de cette div, je vais retourner sur Scripter, et en dessous de tout ce que j'ai déjà mis en place pour changer le style et surligner, je vais rajouter mon code. Donc là j'utilise le sélecteur de jQuery pour la classe mainTweetBox, donc $ parenthèse ouvrez les guillemets point mainTweetBox, le point c'est pour sélectionner une classe. Et ici, je vais appliquer la fonction remove. Voilà, je sauvegarde. Et ici, je vais rafraîchir ma page pour tester directement ce que je viens de rajouter. Et là, on voit que le champ est toujours présent. Donc c'est un peu étonnant parce que si on avait fait la même chose sur une autre page, ça aurait bien fonctionné. Là, ça ne marche pas. Et en fait, ça, c'est lié à l'utilisation d'Ajax, qui fait que au chargement de la page, l'élément n'existe pas encore. Donc nous, on appelle la suppression sur un élément qui est inexistant, et en fait, cet élément est inséré ensuite via Ajax. Donc on demande la suppression avant même que l'élément existe, et c'est pour ça que ça supprime rien. Donc pour pallier à ce problème, ici je vais appeler la fonction JavaScript setTimeout, qui permet d'exécuter un certain nombre d'instructions après un temps donné. Donc ici je vais indiquer 2000 pour exécuter ça 2 secondes après le chargement de la page. Donc là encore je rafraîchis, la page est chargée, j'ai attendu 2 secondes et la suppression s'est bien faite, donc c'est bien, ça fonctionne. En revanche, si je vais sur la page des suggestions, que je rafraîchis et que je reviens cette fois-ci sur l'accueil, eh bien le formulaire est toujours présent. Donc c'est un peu gênant, mais en fait c'est normal parce que au moment où je suis sur la page des suggestions, l'élément n'existe pas. 2 secondes après le chargement de la page, l'élément n'existe toujours pas parce qu'on n'est pas sur la page d'accueil, et on fait la demande de suppression sur un élément inexistant. Et ensuite, quand je vais aller sur la page d'accueil, eh bien l'élément va être inséré alors qu'on a demandé sa suppression plus tôt.
Donc là encore, pour pallier à ce problème, je vais faire différemment. Et au lieu de faire appel à la fonction setTimeout, eh bien je vais faire appel à la fonction setInterval, qui elle me permet d'exécuter un certain nombre d'instructions tous les intervalles de temps donné. Donc là, je vais réduire, je vais pas faire ça toutes les 2 secondes, mais toutes les demi-secondes. Donc je sauvegarde là encore, je retourne sur ma page de suggestion, je rafraîchis et je retourne sur la page d'accueil. Et là, on voit que la boîte disparaît bien. Donc c'est bien, c'est ce que je voulais. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de remonter un peu les onglets qui sont ici, parce que là, on perd de la place qui était utilisée précédemment, mais qui maintenant ne sert plus à rien. Donc là, je vais utiliser Dragonfly, qui, comme Firebug, me permet de jouer directement sur les styles et surtout de connaître quel est l'élément sur lequel on doit appliquer les modifications. Donc là, c'est l'élément qui possède la classe StreamTabs. Et sur celui-ci, bah, je dois modifier la marge en hauteur, donc margin top. Et cette margin top qui était à l'origine à 15 pixels, bah, je vais la mettre à moins 15 pixels. Donc, bah, si vous avez bien compris, vous savez ce qu'on doit faire, hein. On va retourner sur Scripter. Et ici, à la suite de notre instruction de suppression, bah, on va sélectionner l'élément qui possède la classe StreamTabs. Et sur cet élément, appliquer les modifications CSS. Et changer la marge en hauteur qui était à moins 15 pixels, qui était à 15 pixels, pardon, et la mettre à moins 15 pixels. Donc ici je sauvegarde, je retourne sur ma page, hop, je ferme Dragonfly, j'en ai plus besoin, et je vais rafraîchir ma page. Et ici, bah, on voit bien que la boîte a bien été supprimée et les onglets se sont remontés pour bien s'afficher en haut de la page. Donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc bah, n'hésitez pas à tester ça chez vous, hein. Quel que soit le navigateur que vous utilisez, ça existe. Donc regardez ça, c'est vraiment très pratique si on veut personnaliser l'affichage des sites. Et bah, faut pas oublier que tous les utilisateurs sont différents, donc c'est toujours bien de pouvoir personnaliser et faire un site qui nous convienne parfaitement. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis aussi bah, vous pouvez partager comme ça les petites astuces que vous aussi vous avez qui permettent de gagner du temps et d'améliorer sa navigation quotidienne. Donc j'attends tout ça et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!